Je vais vous présenter un poste à souder par point qui a été fabriqué essentiellement avec du matériel de récupération. Ce poste à souder est constitué donc d'un boîtier. Ce boîtier a été fabriqué avec une tour de micro-ordinateur. Nous avons ici la pince justement par point pour effectuer la soudure. On peut adapter dessus donc une soudure par point pour exemple souder les piles entre elles. Et l'organe de commande qui permet justement de donner l'impulsion. Donc au niveau du boîtier, il y a ici aussi un commutateur qui permet de soit le couper, soit de passer en mode pleine puissance, ou alors par le mode variateur ici, que l'on trouve. À l'arrière donc du boîtier, un fusible se trouve temporisé. Ce fusible protège donc le variateur d'intensité. Je vais maintenant vous présenter la pince. Donc elle est constituée d'une donc cette pince est une pince Warcraft que j'ai acheté sur internet. J'ai mis des barreaux de cuivre, c'est des barreaux de terre que l'on trouve dans l'industrie. Ces barreaux de terre, donc par rapport à l'intensité du transfo de micro-ondes, j'ai été obligé de les doubler pour équilibrer l'intensité. Ici, j'ai mis des cales en bakélite. Ça permet justement, puisque l'intensité va passer dans ce circuit et donc il y aura un échauffement qui va se produire, d'isoler quand même au niveau de la pince le plastique. Donc ici c'est de percer part en part et puis donc l'autre partie ici isolante thermique a été taraudée. Dessus j'ai mis deux écrous avec un papillon. Et ça permet justement de fixer dessus les deux pinces pour faire des soudures par point sur éventuellement des piles. Lorsque l'on fait la soudure par point avec ce câble, j'ai rajouté donc cette cale isolante qui permet justement de ne pas faire toucher les deux électrodes. Lorsque je veux souder par point au niveau des piles. Voilà pour la pince. Donc le câble c'est du 70 mm² par rapport à la puissance. Au départ j'avais mis du 35 mm² et puis finalement tout l'isolant avait complètement fondu. Donc j'ai augmenté la section pour garder aussi la puissance totale du transfo de micro-ondes parce que plus on a d'échauffement et bien sûr c'est des pertes thermiques qui diminuent le bon rendement de l'ensemble. Voilà pour ça. Donc ce que je vais vous présenter maintenant c'est donc le boîtier je vais le démonter pour vous faire voir un peu l'intérieur. Voilà, donc j'ai démonté juste la plaque avant puisque tout le reste est non démontable. Bon, vous remarquerez aussi que j'ai mis des pieds en dessous pour justement stabiliser un peu l'ensemble. Ça c'est donc le voyant de marche. Donc dès qu'on met en marche, dès qu'on branche le secteur, le voyant s'allume. Ici j'ai mis des passe-fils pour éviter d'abîmer justement le câble au niveau de la toile en ferraille. À l'intérieur, donc on constate le transfo de micro-ondes. Donc c'est un transfo là, je ne sais pas si on voit bien, mais il doit faire. C'est un transfo qui fait 1636 volts-ampères. Donc c'est ce qui me permet justement d'atteindre une intensité jusqu'à 1100 ampères. C'est ce qu'on voit dans la commutation, puisque là c'est direct
sans variateur. Et donc, partie variateur, hein, donc après mesure, ça me permet de varier entre 490 et 1100 ampères. Donc, le variateur en lui-même, on le voit ici au fond, c'est un variateur d'aspirateur hein, que j'ai récupéré. C'est un aspirateur qui faisait 650 watts. Donc, j'ai modifié le variateur hein, de façon avec un triac qui va jusqu'à 16 ampères, hein, un triac de 16 ampères. Et j'ai rajouté, bien sûr, un radiateur pour dissiper la chaleur. Hein, donc, c'est un simple variateur que vous trouvez. Que j'ai trouvé sur un aspirateur récupéré à la déchetterie. Donc le commutateur de sélection est ici. Le transformateur donc de micro-ondes, ça a été récupéré aussi. Puis bon, bah, vous avez assez de petites vidéos sur Internet pour savoir comment justement enlever l'enroulement haute tension hein, de ce transformateur et on garde l'enroulement 220 ici. Bon, concernant l'enroulement secondaire, le principe hein, c'est moins on aura de spire à ce niveau-là, moins on aura de tension en sortie. Hein, et plus l'intensité sera grande. Donc là, moi, je me suis limité à une spire hein, qui me donne à peu près 1,9 volts entre les deux, enfin au niveau de la tension de sortie. Et ça, au niveau de l'intensité, je suis monté jusqu'à 1100 ampères. Hein. Bien sûr, hein, cette intensité, elle sera aussi bon, en fonction de la puissance hein, du transformateur. Et puis, eh ben, il faut aussi également que le câble hein, supporte l'intensité. Sinon, si on met des câbles enfin, de faible section, hein, eh ben, on va se retrouver avec un échauffement et donc une perte de puissance par effet joule. Bon, d'une façon ou d'autre, hein, les mesures, on les verra tout de suite après. Donc voilà, voilà pour le principe. Ici, donc ça c'est le boîtier de commande. Hein, donc c'est un simple bouton poussoir avec contact hein, qui, lorsque l'on appuie dessus, ça fait donc déclencher tout le système. Au niveau de la du système à pointe, hein, bien sûr, hein, un gros domino. Et puis j'ai mis donc du fil de 2,5 carrés hein, coupé. Et puis après, donc on règle l'écartement des électrodes comme on souhaite pour faire le point. Voilà, bon, bah, on va faire une démonstration maintenant de l'ensemble. J'ai oublié de préciser aussi, surtout, hein, n'oubliez pas de brancher quand même l'ensemble à la terre. Hein, donc l'alimentation avec qui se branche. Hein, avec les deux pôles plus la terre, et la terre doit être accordée sur toute la carcasse métallique du châssis et du transformateur. Bon voilà, j'ai donc préparé là pour effectuer quelques mesures. Donc ici on a la pince qui est toujours isolée à ce niveau-là, donc on va faire des essais pour l'instant à vide, hein, c'est-à-dire non encore circuit. Ici j'ai mis les deux fiches du voltmètre hein, qui sont reliées ici. Et j'ai branché la pince ampérométrique au niveau de l'alimentation, hein, donc au niveau du 220, hein, pour voir les consommations. Donc ici, le commutateur, je le mets à pleine puissance, hein, donc sans variateur. Et je vais appuyer dessus et on va voir justement ici la tension qui va s'afficher. Donc on a ici 2 volts, 1,9 volts. 1,9 volts et je vais mettre maintenant en alternatif pour voir justement la consommation et on a 1,7 ampères. Donc tout ça bien sûr c'est à vide. Je vais maintenant passer à la position variateur. Donc le variateur pour l'instant il est à la position minimum. Donc, je remets en voltmètre, j'appuie
On voit une consommation de 0,08 volts, enfin une tension de 0,8 volts au niveau de, des pinces. Et on va passer maintenant à la consommation. Et on a 0,1 ampères. Bien sûr, si je fais varier mon... Je fais varier bien sûr mon potentiomètre et on voit bien que l'intensité varie jusqu'à se retrouver en pleine puissance à 1,7 ampères et au même titre que la tension. Donc si je me remets au minimum, j'appuie, on se retrouve avec une tension qui varie et je me mets au maximum. Et on se retrouve bien avec nos 1,9 volts. Voilà. Voilà pour les consommations, on va dire, et les tensions de lorsqu'il est à vide. Et maintenant, je vais donc enlever cette cale pour faire toucher les deux bornes. Et les tensions, on s'en fiche un peu, pour vérifier justement l'intensité lorsqu'on est donc à pleine puissance. Là, je me remets bien en appare-mètre. J'appuie sur mon bouton. Et là, on voit qu'on a à peu près 9,1 ampères. 9 ampères. 9 ampères. Donc ça, c'est l'intensité qui est consommée donc au niveau de l'alimentation électrique. C'est pour cela que donc j'ai boosté un peu le variateur aussi, le variateur qui est là, avec un triac de 16 ampères, puisqu'initialement ça devait être un triac de 8 ampères. Voilà pour ça. Maintenant on va faire des essais en charge avec le variateur. Donc là le principe reste le même, je me mets en position variateur. Tac. Je reste en ampère-mètre. Je me mets au minimum, j'appuie sur le bouton, je vais le faire avec le pied. On voit qu'on est à 2,6 ampères, j'augmente. Voilà. Donc maintenant on va faire des mesures de courant, mais à l'intérieur justement du câble qui nous génère notre intensité pour la soudure. Bon, voilà, donc j'ai bien mis la pince ampérométrique sur le câble et donc les deux électrodes sont bien reliées entre elles et le tout va au transformateur de micro-ondes. Alors, donc je vais me mettre en position pleine puissance. Et je vais appuyer donc sur le bouton et mesurer donc l'intensité qui transite dans le câble. Donc là, on est... C'est à peu près à 1030 ampères. 1030 ampères en position maxi. Maintenant, je vais passer en position variateur. Je me mets au minimum et je vais faire varier donc l'intensité de 0 au maxi. Donc là, on est à peu près à 410 ampères. Je fais varier l'intensité. Et là, on retrouve à peu près les 1010 ampères. Voilà. Alors, bien sûr, le câble, ça va, il chauffe pas trop. Non, par contre, là où ça chauffe le plus, c'est sûrement au niveau des barreaux de cuivre. Oui, oui ça chauffe, ce qui est normal. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut avoir vraiment de très bons contacts. Et puis, c'est pour ça que j'avais doublé aussi ce barreau de terre. Dans tous les cas, faut bien gratter aussi au niveau de chaque connexion, parce que bien sûr, on est quand même avec des intensités fortes,
Et la moindre résistance, eh ben, on perd de l'intensité en chaleur. Voilà. Donc je pense qu'il faut quand même isoler vis-à-vis de la température, hein, de bien isoler quand même le plastique, autrement on risque de le faire fondre ou alors de le déformer complètement. Je vais maintenant faire des essais en réel, hein, sur du matériel et je mettrai aussi les pinces pour voir ce que ça donne. Bon voilà, alors j'ai préparé deux petits morceaux de fer, hein, que je vais souder. Juste pour rappel, là, donc les électrodes, hein, c'est des électrodes qui viennent de poste à souder, un TIG. Et je les ai un peu meulées là au bout pour justement réduire la surface. Parce que bien sûr, hein, plus la surface est petite pour une intensité constante, ben, ça fait des points plus précis. Cette buse, enfin cette électrode là, je les ai taraudées et puis mis dans le filetage. C'est pour ça que donc j'insiste, hein, sur le fait de tout ce circuit, hein, donc du transfo, ça ressort ici, ça passe par la pince, par ces barreaux de cuivre, ça traverse ici. Tout ce circuit doit être justement pour gagner un maximum de puissance par rapport à la puissance, hein, du transfo. Avoir justement une section suffisante, hein. Plus il y a d'échauffement, bah, plus il y a de pertes. Et surtout être bien vigilant au niveau des points de contact. Ici, bon, bah, j'ai eu de la chance de pouvoir trouver des cosses et puis les sertir. Par contre, celle-ci, j'avais les cosses, mais j'ai pas pu les sertir avec une vraie sertisseuse, hein. Donc ce que j'ai fait, je l'ai mis dans un étau. Et puis j'ai mis une clé Allen ici, j'ai serré le tout et puis voilà ce que ça donnait. Alors pour ceux qui n'ont pas les cosses, bon, j'ai vu sur internet, il y en a qui utilisent des morceaux de tubes, hein, en cuivre, de plomberie, hein, et qui les emmangent dedans, qui donnent qui les étament, et puis ensuite qui écrasent le tout. Hein, mais comme je rappelle, le principe c'est d'avoir le moins de résistance possible à chaque point de connexion. Bon voilà, donc ici là, donc j'ai enlevé la cale. Voilà, et puis je vais mettre les deux. Voilà. J'ai mis les deux sur les deux plaques, hein, sur les électrodes. Et je vais mettre, donc là je vais passer par le variateur déjà pour voir. Je vais mettre puissance minimum et puis je vais voir ce que ça donne. On voit que ça donne pas grand-chose, hein, bien sûr, parce que la puissance est minimum. On voit une petite trace quand même au niveau des. Voilà, une petite trace, mais pas assez puissante pour souder l'ensemble. Donc je vais le replacer sur les électrodes. Là, ce que je vais faire, je vais mettre carrément, hein, je vais aller à l'opposé, hein, je vais mettre en pleine puissance. Et j'y vais. Je fais attention parce que ça va être chaud quand même. Bon, ça va. Donc là, on voit que ça a bien soudé. Je vais m'équiper un peu mieux que ça parce que c'est pas évident de travailler avec une seule main. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc là, on voit que quand même, c'est costaud. Et finalement, on voit qu'il y a un trou là. Donc ça veut dire que c'est carrément le métal qui s'est arraché, hein, pour pouvoir l'enlever. Bien sûr, là, il n'y avait qu'un seul point. Bon, maintenant, je vais essayer. Enfin, je vais faire plutôt une soudure identique, mais ce coup-ci, je vais faire 3 points. Donc je mets les éléments. J'appuie. Thank you.
Voilà, donc les points ont été effectués. Si on regarde, c'est vraiment très costaud. Par contre, je vais un peu tordre ici. Bon, voilà. Par contre, hein, j'insiste bien sur le fait que, justement, au niveau des points de contact, hein, plus les deux matériaux vont être rapprochés, mieux c'est. Hein, il faut vraiment qu'il y ait un bon contact entre les deux. On s'imagine que si entre les deux, il y a du vernis ou de la peinture, hein, le courant passera moins bien et donc l'intensité sera moindre dans le passage. Donc là, par exemple, là, je vais justement faire un essai avec deux plaques, mais sans vraiment m'occuper de surface de contact. Je vais donc mettre les deux plaques. Voilà, on voit quand même qu'il y a un écart entre les deux. Et là, on entend bien quand même que l'intensité passe pas au maximum. Ce qu'il faudrait, c'est donc avoir une bonne surface de contact. Bonne surface de contact. Hein, ici, on voit bien que la surface est bonne. Ici, il faut aussi que ça soit bien décapé. Donc là, on voit que ça va pas du tout, hein, puisque entre chaque lame, là, donc j'ai récupéré ça sur un transformateur, et donc il y a le contact est pas terrible entre les deux, il y a un petit peu de vernis. Donc je vais nettoyer tout ça. Avec du papier de verre. Donc là maintenant j'ai nettoyé un petit peu avec du papier de verre, hein. J'ai enlevé le vernis qu'il y avait sur les plaques. Je vais remettre pour la soudure. Et là on voit bien que l'intensité passe bien. Et on l'entend par le câble. Bon, je vais maintenant utiliser les pinces. Donc là je vais les installer. Alors avant, bien sûr, il ne faut pas que l'intensité passe ici et par les pinces. Mais par les pinces. Donc je mets ici. Je relie. On serre bien. Je fais pareil pour l'autre. Voilà. Bon, je vais maintenant essayer, ou plutôt faire des points de soudure à l'aide de mon circuit de points. Alors ce que j'ai fait, j'ai raccordé donc mon câble, hein, sur mes pinces. Et bien sûr, ce qu'il faut que je fasse, c'est isoler un des deux circuits. Suite à ça, bah, je vais prendre ce petit morceau de métal là, qui est assez fin. Et je vais le souder sur cette plaque. Donc je vais comme ça. Alors ce qu'il y a, c'est que je vais ce coup-ci faire un essai, non pas en pleine puissance, mais par le variateur. Donc je me mets en position variateur. Je fais un essai déjà au minimum, hein, qui me donne à peu près 490 ampères par rapport à la puissance totale. Je mets les deux métaux et je fais un premier essai. Je vais mettre comme ça pour mieux voir. Voilà, donc j'injecte le courant. Voilà, donc on voit que l'intensité n'a pas été assez puissante pour effectuer le point de soudure.
Par contre, bien sûr, hein, cette puissance est variable, hein, grâce au variateur ici. Et c'est en fonction aussi de l'épaisseur des métaux, hein. On comprend bien que si on est à pleine puissance sur des métaux qui ont une faible section, hein, ça va tout de suite percer directement. Donc ce que je vais faire, je vais aller à mi-puissance, hein, ça doit faire dans les 700, 730 ampères, et je refais un essai. Donc j'en mets mon système, j'en mets dessus. Voilà, ça se toujours pas. Je vais mettre un peu plus de puissance. Et là, on voit que ça a bien soudé. Mais si je prenais, mettons, les mêmes sections, donc c'est des sections qui sont assez faibles, et que je remets mes électrodes à pleine puissance, hein, tout de suite on voit que ça découpe carrément le métal. Hein, tout a été découpé. Donc l'intérêt quand même du variateur, c'est de pouvoir quand même gérer la puissance en fonction de l'épaisseur des matériaux. Sachant que quand même la première soudure que j'avais effectuée, hein, c'est quand même sur une plaque assez épaisse. Ben voilà. Donc c'est quand même un intérêt. Bon, on voit quand même que les électrodes ont un peu souffert, hein, ce qui est normal. Bon, d'une façon ou d'une autre, hein, c'est pour ça que j'ai de quoi faire, hein, pour changer les électrodes. Hein, il suffit de prendre du fil. Bon, ben moi j'ai pris de du 2,5. On peut prendre aussi du 6 carré, ça sera encore plus. Hein, mais le tout, c'est aussi que les pointes soient assez fines, hein, à ce niveau-là. Bon, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de souder cette plaque de métal. Hein, donc c'est de la récupération aussi sur un ordinateur, hein, vous reconnaissez un peu. Et puis de souder donc dessus cet écrou de diamètre 8. Donc je vais placer l'ensemble entre les deux électrodes. Voilà. Donc toujours en pleine puissance, hein, de mon transformateur, et je vois ce que ça donne. Alors, ce qu'il y a, c'est que je vais prendre autre chose parce que ça doit être chaud quand même. Et je regarde. Et donc je constate quand même que l'écrou est soudé sur la plaque. Donc ça peut être intéressant justement pour certains montages où on doit, ça évite de mettre des systèmes de carreaux. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que ça a été assez complet et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.